Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez courte d'un module colorable. Alors je ne sais absolument pas comment ça se passe, je vous mets le nom, le lien dans la description comme d'habitude, c'est Colorful, Paintable, Add-on je crois. Je ne sais pas ce que c'est, on va voir ça en direct. Comment voir si ça se peint? Alors visiblement c'est pas les rambardes, peut-être que c'est une nouvelle rambarde. Voilà, color sideboard. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et ben voilà. C'est... Ils ont tout compris. Voilà, encore un mode qui corrige le jeu. Qu'est-ce que j'ai besoin de dire d'autre? Encore un mode qui corrige le jeu. Alors là, bon, c'est toujours normal, hein. La première peinture de base est toujours merdique. Il faut toujours aller chercher... Oh putain. Il faut toujours aller chercher la première peinture. Alors, généralement, elle est là, la rouge. Je vois qu'elle n'y est pas. C'est bizarre, il n'y a pas la... Ah non, c'est pas rouge, c'est celle-là. Oui, pardon. Oh là là, c'est stylé, la benne bleue, blanche et noire. Oh mon Dieu, mais c'est classe. C'est tellement classe. Et je crois même... Alors, c'est pas pour celui-ci. On va en parler dans un autre. Je crois qu'il y a des bennes qui se colorent et des grues, des choses. On va voir ça dans un autre mode. On va pas en parler ici, mais... Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est... Énervant! Qu'est-ce que c'est énervant de voir que les développeurs sont pas foutus de faire ça! Alors, pourquoi j'ai trouvé la benne là-haut? Ah non, c'est parce que ça l'a enlevé, d'accord. Donc, les bennes, elles sont là. Il y a celle du Tatra Force et Phoenix. Et celle-ci, c'est celle du Tatra... 813, pardon. Discutable, mais après, sur certains véhicules, peut-être que ça va beaucoup mieux que d'autres. Ce n'est pas, du coup, la benne qui se trouve, la rambarde, remorque à rambarde, elle est là. Elle est là. Ce n'est pas la même, qui ressemble d'ailleurs beaucoup trop à une remorque, celle-ci. Ce n'est pas tout à fait la même, c'est bien ce qu'il y a sur le 813, qui est plutôt stylé. Alors, par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'on dirait qu'il y a des modules de réparation, limite. C'est un petit peu gênant, on va essayer de tester, tiens, on va sortir un ou deux camions comme ça, ça fera une jolie miniature, on verra un petit peu, ça me permettra de faire une photo sympa, mieux que celui pour les modules colorables, les véhicules colorables, pardon, les nouvelles couleurs, hop, arrêtez, on va s'en sortir, allez, trois, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait prendre, peut-être un vieux véhicule, ça irait peut-être pas mal, qu'est-ce qu'on aurait en vieux? Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? C'est plutôt du récent. Taiga, Taiga. Taiga, c'est pas récent, je crois. Hein. C'est quand même assez vieillot. Hein. Limite, sur celui-là, ça pourrait être pas dégueu. Parce que la benne, là, elle fait quand même massive. Et je pense que la benne est beaucoup plus petite. Ouais, elle fait quand même un peu plus petite. Elle fait un peu plus rétro. Que la rambarde. Merde. Je vais descendre. Je voudrais qu'on voit les deux vite fait. Ouais, c'est quand même beaucoup moins massif, beaucoup moins lourd, beaucoup moins... Ouais, ça donne bien. Bon, là, en rose, on est d'accord, c'est de la merde. Mais on va passer sur une autre couleur. Ah ouais, non, mais ouais, c'est... Ouais. Non, mais il y a rien à dire, quoi. Il y a rien à dire, c'est stylé. C'est un petit mode, hein, un tout petit, encore un tout petit, vous voyez, vous prenez ça, à mon avis, vous prenez le mode pour avoir des peintures supplémentaires de véhicules, vous avez un truc de fou, vous avez un truc de fou, vous allez pouvoir faire votre jeu comme vous avez envie. Alors, il faudrait presque, c'est que je les mette, on va pas réussir à les voir quasiment, enfin, je les mette un peu plus en hauteur, comme ça, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme autre véhicule? Peut-être un Antarctique? Je sais pas si je l'ai, l'Antarctique. Je pense que oui, peut-être ça fera un style de chaque. Un Antarctique, qu'est-ce que ça peut donner? Je pense que je dois l'avoir, l'Antarctique, non? Parce que je pense pas que les petits véhicules en bénéficient. Sinon, il y a un Azov. Celui-ci, bon, il l'a pas, je pense. Il a deux places, lui. Hein. Il a deux places, il prend un module de réparation. Mais il prend pas. D'accord. Ils sont restés très carrés. Les véhicules qui ont une rambarde ont les modules colorables. Les autres vont se faire voir. Ok.
Why not? Alors on peut regarder un ou deux véhicules, mais pas forcément peut-être sortir l'Antarctique, je sais pas. J'aurais bien sorti le 53-19. Ouais, bah ouais, bah ouais. Eh ouais. Eh ouais! Mais ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'est hyper stylé sur celui-là. C'est hyper classe. C'est hyper classe. Ça a une gueule de fou. Ça a une gueule folle à côté de la rambarde de base. On va essayer d'aller la chercher. Voilà, on a ça. Ah ouais, non mais... Bon, déjà c'est coloré, donc c'est quand même assez facile de faire plus joli quand on a quelque chose de coloré. Mais là, franchement... Donc vous couplez ce mode avec celui qui a plus de peinture pour les véhicules, et alors là, vous vous faites plaisir. Hein. Vous avez des véhicules qui ressemblent à ce que vous voulez. Hein. Là, vous commencez à vous faire un garage, entre guillemets, comme vous avez envie. Je vais peut-être plutôt le mettre en retrait. Hop. Là, vous commencez d'avoir ce que vous voulez en véhicule. C'est quand même classe. Voilà, on a trois petits exemples là. Ouais, bah ouais. Eh ouais, mais ça ressemble à quelque chose là. Je sais pas, il y a besoin de quoi? D'un mode d'emploi pour savoir ce qu'il faut faire dans le jeu. C'est incroyable quand même que les développeurs n'arrivent pas à penser à faire ça. Pourquoi? Pourquoi? Déjà, ce mode, il permet d'avoir des trucs colorables, mais en plus des bennes supplémentaires. On en reparlera d'autres modes qui ont des bennes supplémentaires. Mais ce mode-là, non seulement il permet des bennes supplémentaires, mais il est color. Alors peut-être que l'autre aussi, je ne sais pas. Ça permettra justement de vous en parler. Malheureusement, je ne peux pas vous dire, ah bah celui-là aussi, en fait. J'ai pas pu comparer, j'ai pas pu tous les tester. J'aurais peut-être dû tester l'autre avant, mais j'en parlerai dans l'autre. C'est le Pogrim. Pogrim, je ne sais plus. Universal Add-on Pogrim, quelque chose comme ça. Bon, ça sera encore très compliqué à trouver sur console, mais je vous le montrerai de façon en vidéo, donc on en reparlera. Ouais, non, mais bon, c'est pas toujours aussi stylé selon les véhicules, mais c'est classe. C'est classe, il n'y a rien à dire. Viens voir sur un petit 53-19. Je voulais tester ça avant de finir. Un petit 53 avec une benne militaire. Qu'est-ce que ça peut donner avec une benne militaire? Allez, dépêche-toi. Un petit Taiga, tiens, viens voir aussi. On s'en fait deux petits et puis on arrête. Les bennes sont en bas. Ah ouais. Ah, ça rentre dans la cabine. Ah, ça rentre dans la cabine. Là, c'est pas beau. Et ça aussi. Ah, là, ça se voit un peu moins, mais ça rentre dans la cabine. Bon, la couleur, par contre, c'est stylé. Hein. Oh là là, c'est cool. Oh mon Dieu, que c'est joli. Alors bon, vous aimez le orange ou pas, hein. Moi, j'aime plutôt bien sur le Taiga, mais le fait d'avoir une benne de la même couleur, mais bon sang, mais... 20 sur 20, quoi. 20 sur 20. C'est superbe. Des bennes un peu plus modélisées, bah, celle du Tatra, hein. Celle des Tatras, puisque... C'est ce qui convient sur les deux Tatras. Mais malheureusement, ça se trouve, ça va être des bennes exclusives Tatras. Hein. Faut pas rêver. Hein. Petit 53-19 militaire, ça donne quoi? Alors, je pense pas que ça se colore en militaire. Hein. Ça va garder une ou deux teintes militaires seulement. Ouais, ça donne quand même pas mal. Hein. Ça donne quand même vraiment pas mal. Hein. Je peux pas reculer la caméra. Ça donne quand même quelque chose de bien. Hein. Ça fait quelque chose de plus uni. Hein. Alors celle-ci fait peut-être quand même un peu moins stylé. C'est un peu plus pour vieux véhicules, peut-être pour GMC, pour Brigadier, pour GMC MH9500, pour Fleestar, par exemple. On pourra aller jeter un oeil sur un petit Fleestar et puis on va arrêter là-dessus, on va pas en faire 50. Vous avez compris, de toute façon, il y a d'autres modes, je pense, qui font la même chose. Je vous dirai ce qu'il en est. Non, je suis sur les sideboards, arrête de regarder les autres choses. Ah, c'est bizarre parce qu'on a l'impression de voir un Tatra, du coup, avec ce module à la con qui est exclusif Tatra. C'est vraiment dommage. Ouais, ça va vraiment pas sur un véhicule un peu moderne. Bon, après, il reste le fait que ça rentre dans les cabines, mais bon, c'est acceptable. Franchement, c'est acceptable et c'est hyper stylé. Je pense que si on va chercher
un petit Fleestar, bon pareil, sur du Voeuvron, sur du... Bon, sur lui, j'en parle même pas, ça doit être overstylé sur un petit comme ça, là, un petit 49X. Avec la benne. Alors, peut-être qu'il prend plus de remorque, hein. Je sais plus s'il en prenait, déjà. Ah ouais, bah ouais. Ah, là, ça va moins bien. Hein. Mais là, ouais, c'est magnifique, là. Là, on a l'impression d'avoir... cette benne, elle ressemble vraiment à un dump truck, un camion benne pour les carrières, tout ça. Est-ce que je retrouve ce foutu Fleestar avant de voir d'autres camions que j'ai envie de tester ou pas? Je n'en trouve pas. Eh ben, c'est simple. International Fleestar, où es-tu, mon coco? Tu es là. Tac. C'est pas grave si on ne voit pas une couleur différente de celle-là. Ah, si, c'est grave. Parce que forcément, il la colore pas avec le premier truc. Eh ben oui. Eh ben oui. Bon. Tu m'embêtes, hein. Je suis obligé de m'amuser à faire ça, moi. On va lui mettre une couleur... Il y a quoi, déjà en... Ouais, allez, celle-là. Et on stoppe là-dessus. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le-moi. Moi, je trouve que c'est un très bon mode. Je vais voir si je n'en trouve pas un autre, celui que je vous ai dit, là, le International Addon Pogrim. Je vais vous le montrer, de toute façon. Je sais pas si je me suis gouré. Là, c'est très moche. Bon, ça dépasse beaucoup. Il y a certains camions, c'est comme ça. Mais on voit que ça fait un petit peu trop moderne, peut-être. Et ça, par contre, on va l'acheter. Hein. Ça, par contre, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. En tout cas, de toute façon, des bennes colorées, c'est forcément bien. C'est forcément bien, il n'y a rien à dire. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est forcément une bonne chose. Des bennes colorées sur des véhicules comme ça, c'est forcément bien. Allez, dites-moi ce que vous pensez de ce petit mode. Et je vous en parle d'un autre très très vite. Peut-être que je les posterai en même temps pour essayer de ne pas séparer et de vous faire télécharger un mode avant un autre. Allez, salut, à plus.